الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قومي بنسورة في فين ريبيلي Après Hijra, quand Nabi Karim est arrivé à Medina Munawara, et surtout parmi les derniers surah qui révélaient le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, nous gagnons une surah qui porte le nom Al-Hajj. Surah Al-Hajj. 22e surah du Coran. Si nous ouvrons à 17e sifara, surah a commencé là-dedans. Et 17e sifara a terminé avec sa surah. Le Coran, comme on l'a dit, c'est 22e surah. Mais en l'eau de révélation, comme on dit où c'est parmi les derniers surahs que Nabi Karim a gagné, c'est 103e surah que Nabi Karim a gagné. Ce qui veut dire, après ça, qu'il y a seulement 11 surahs qui descendent, et Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, il gagne son wafad de Madina Munawara. Quand on peut faire ressortir, c'est parmi les derniers surahs. Ce qui donne l'idée, c'est les derniers conseils que Allah Rabbul Alamin peut donner, insan peut donner spécialement aux musulmans. Alors, surah là en entier, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de messages là-dedans. Et surtout, dans la fin surah là, ou bien laisse-nous dire des derniers ayats. Deux derniers ayats de surah Al-Hajj. Ayat 77 et ayat 78. Surah là, il y a seulement 78 ayats là. Allah subhanahu wa ta'ala peut adresser à un musulman. Allah dit Ya ayyuha alladhina amanu. Oh, ben celui qui fait nommer l'Iman, il attire l'attention seulement. Après, il a dit, il carou, fait le coup, wasjudu, et fait sajada, wa'abudu rabbakum, et fait ibadat zotrab, wa'f'alu l'khayra, et fait le bien. La'allakum tuflihoun, afin qu'ils aient réussi, afin qu'ils aient prospéré. Un ayat, quatre lots d'Allah indonné. Ayat là, lui aussi a une certaine importance en termes masala fiqh. Si vous pouvez au Coran qui vous habitez lire au caractère très aline, on vous trouve le rebo, il écrit. Il y a un message là. Il écrit
di as-sajadah. Seayat lain as-sajadah selo Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Sabi dia Imam Syafi'i ban kiswil mazhab Syafi'i kamanna li ayat la dut fa sajadah tilawat. Meselo Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih lili ban konside ayat la komen ayat sajadah. Alu nu nu sib Imam Abu Hanifah nu Hanafi nu boli ayat la da nama nu ba bu fa sajadah. Tilawat Imam Audio nama nu bu fa li nu boli ayat la nu ba bu fa sajadah tilawat baski selo Imam Abu Hanifah pe na sajadah tilawat la. Messi par exemple pe fa nama de ya Imam Imam la Shafi'i alu sili boli ayat la kapabu bu tu ni pe fa sajadah tilawat. Alors saisis que l'imam Shafi'i l'in considéré ayat là et ayat qui est dans le sajada. Alors nous nous parlons au niveau pour le discute par l'argument par le crève qui chacun est amené pour dire ça n'a pas fait dire il est dans le sajada tilawat. Alors qui raison qui a qui argument est amené et Hanafi dit non pas dans le sajada tilawat qui argument est amené nous pas sa niveau pour discuter ça c'est ban ulama nous Hanafi nous va vous faire les Shafi'i nous vous faire nous pas aucune objection mais quand nous dit ça de tilawat il y a un peu temps ça de tilawat c'est à dire quand on peut lire ban ayat qui est dans le sajda là dedans li wajib pour faire tilawat li wajib pour faire sajda li wajib pour faire sajda. Alors, alhamdulillah, il y a beaucoup en prière, en suivant Allah, d'un tawfiq, de te lire le Coran, de faire khatam Coran, c'est pas tant, tous les mois, une fois ou bien, chaque 10 jours, de terminer un khatam Coran. Alhamdulillah, il est bon, mais seulement rappelle bien, quand on lit le Coran, c'est le madhab Hanafi, et il y a 14 sajda, puis il fait sa sajda là, il est wajib ça. Sur l'imam Shafi'i, il dit qu'il y a 15. Hanafi, il dit qu'il y a 14. Alors quand nous voulons ayat là, bizarre, c'est de tilawat. Dans la main aussi, nous faisons lui, en dehors de la main aussi, quand on fait tilawat là, bizarre, c'est de là. C'est encore une fois, il y a un autre gros chapitre devant nous, la loi. La loi fiqh concernant c'est de tilawat. Qui sauve un règlement, qui sauve la loi. Bizarre, on prend les. Alors, nous retournons le loi. Allah dit, oh ben celui qui n'a mis l'iman, fait le coup, fait le sajada, et fait l'ibadat de ton Rab, et fait neki, fait bon travail afin qu'ils aient réussi. Et parmi mon argument que l'imam Abu Hanifa l'a mené, les désirs, nous ne pouvons pas considérer qu'il y en a le sajada. Parce qu'il y a là pas des causes de sajada, des causes de rufou, des causes de sajada, des causes de ibadat, ce qui veut dire qu'il y a là en réalité, il y a un autre pour faire namaz. Mais nous pouvons accomplir namaz, ce qui veut dire nous accomplir l'autre qui est dans l'ayat là, n'est pas considéré comme un ayat qui est sajada wajib. Ça c'est un argument que l'imam Abu Hanifa a dit. Mais ce qui est bon, nous bien comprendre, Allah il donne l'autre pour faire le coup, pour faire sajada. Allah il donne l'autre pour faire ibadat. Ce qui veut dire, ruku, sajada, ibadat, ça rien à faire. Et séparément, Allah dit, wa'alu l'khayr. Faire du bien, faire l'éthi, faire une bonne action. Et ce résultat, de pour prospérer, de pour réussir. Quand nous veut dire faire des qui fait bon travail, parfois nous calculons faussé. Nous nous pouvons penser mais pour faire une équipe, pour faire bon travail, comme on dit, il coûte beaucoup d'argent ça. Alors tout le monde va vous faire, nous ne vous faire, nous ne vous pas misère, nous ne vous faire. Non. Là, mon code à ouvrir là. Surah Hajj, 22e surah, ayat numéro 77.
Ensuite, au gain, ben hadith qui explique le mot khayr qui Allah peut dire. Waf'alul khayr. Alors, parmi ben hadith, on dit nous tout branchés, nous sommes internet, ou gagné en arabe, ou gagné en ourdou, ou gagné en anglais, ou gagné en français. Riyad al-Salihin, qu'alhamdulillah, et bien une bonne époque, nous pouvons prendre quelques hadiths dans différents chapitres dans Mardi, après Maghrib. Alors, si vous gagnez un livre là, c'est qu'un tigui, 13e chapitre de ce livre là, Riyad al-Salihin, par Imam al-Nawawi. 13e chapitre. Les signes là-bas, 25 hadiths en dehors. 25 hadiths. Ce chapitre-là même, Imam al-Nawawi, il donne un nom à ce chapitre-là. Il dit Kasrati, Babu Kasrati, Turuqil Khair. Diverses façons de bien, diverses façons de neki qui ouena. Alors, il cite 25 hadiths là-dedans. Comment le Nabi Karim il explique ben travail qui est un jumon capable de faire et qui fait lui un savab, fait lui bénéficier un savab. Et l'imam al-Nawawi, il prend ben hadith là, depuis certains dans Sahih Bukhari, certains dans Sahih Muslim, et il en commande des autres collections hadiths qu'il en prend, d'une faire et la liste des 25 hadiths. Comment l'islam explique son affaire à faire khayr, faire du bien? L'état nous ouvrait à Sahih al-Bukhari. Hadith-là, il paraît dans Sahih Muslim aussi, mais nous m'écoutons le Sahih al-Bukhari. Hadith numéro 23-20. Hadith numéro 23-20. نبي كريم صلى الله عليه وسلم لجيا ما من مسلم يغرس غرسا نبوت كي مسلمان كي عريبه بلانتا بيجيا أو يزرع زرعا أو يالفين بلانتا شوين بيجي لجيم خي فيأكل منه طير سي عريبه أن زوازو بني مانزي دي بلادا ou une femme ou bien un djimon qui dit faim l'une vini d'une panne un tigit là-dedans l'une manger pourquoi parce que djimon rentrer qu'aucun des djimons dit pas qu'il a fait là nous parce que un djimon qui faim ça l'est là d'une gagne un cri d'une gagne de djimon d'une panne d'une manger ou bahima ou bien un animal il nous rentre il manger Nabi Karim dit illa kana lahu bihi sadaqa. Ça considéré un sadaqa devant Allah Rabbul Alamin. On fait une plantation, un oiseau mangé, un animaux mangé, un djemoun mangé depuis là-dedans. Nabi Karim peut confier à nous que Allah Rabbul Alamin n'est pas les sales d'envie. Allah Rabbul Alamin de nous récompense pour ça. Pour faire nous comprendre et n'a plus vu un moyen faire des qui et n'a plus vu un poisson faire des qui. Une foi qui te peut faire du bien, te peut rendre service, créature Allah, définitivement, et un khayr qui est attaché avec ça. Et un neki qui est attaché avec ça. Nous vous gagnez. Un autre hadith dans Sahih Bukhari même. Dans Sahih Bukhari. Et Imam al-Nawawi, il mentionne ça dans ce chapitre-là. Dans Sahih Bukhari, hadith numéro 1445. Hadith numéro 1445. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit Ala kulli muslimin sadaqa. Chaque musulman est là pour donner sadaqa. Chaque musulman bizarre donne sadaqa, la charité. Alors, ben, ça va, il comprend quand il veut dire sadaqa, ce qui veut dire du bien, dépense un seul l'argent comme sadaqa. Faire la charité. Alors, un sahabi, ou bien un groupe, un sahabi, un sahaba, certains, ils levaient, ils disaient, Ya Rasoul Allah, Ya Nabi Allah, Famal Lam Yajid. C'est arrivé, un jumon, il paye un moyen. Il paye un moyen pour donner sadaqa, pour faire la charité.
Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam ni dia, dia conseil ke Nabi Karim dulu. Nabi Karim dia yang madu biya di. Dia dia travail avec solami fa yanfa'u nafsa li rendre même service qui fait du bien pour lui-même wa yatasaddaq ila ladik fi sadaqah khaira. Mais quand nous comprenons le travail avec tout l'ami halal, c'est là que l'on s'en le cas, Khaira, tu peux rentrer un service, tu peux arrêter de dépendre l'eau du monde, et en même temps, tu peux rendre service pour les autres du monde. Sa communauté là, il mine qu'un gaz. Oui. Sa quantité du monde. In fine, mec, d'assolaté, il y a un moyen facile pour gagner l'argent. Moi, je tape la porte du monde, je me montre bien le papier, la lumière, bye. Mon ami, il n'y a pas de payer, bye. Encore la lumière, combien il n'y a pas de payer, bye. 16 000 roupies, la lumière, il n'y a pas de payer, bye. Quand il sort, bye, il saute d'abord lui. Quand il peut ramasser l'argent là, il peut ramasser la triolée d'abord là-bas. Pourquoi nous comprenons ce que c'est comme une ville là? Un pour lui qui, dans chaque coin, la rue, ou gagne une société, ou gagne une mastine. Il saute là, il y avait un papier, la lumière, il disait, oh, la lumière va me payer. Et bien, ramasse l'argent. Ça que nous seulement, si vous en faites là, c'est qu'il y a bien Karim, si fait nous, comme ça là. Nous avons vu que Manta. Il y a bien Karim, il y avait si je m'en appelle un moyen, puis dans le sanka, il y a le travail avec Solamé. Il y a le travail avec Solamé. Il peut rendre lui-même service, c'est-à-dire qu'il peut éviter le temps de la main avec du monde. Au contraire, c'est à lui qui vous donne le sadaqa, il vous aide du monde qui a la difficulté. Oui, fait à la fin de la fin. C'est un sahaba qui a dit, Rasoul Allah, fa il n'a rien dit. Si arrivé du monde, il n'a qu'un moyen, sa facilité d'avoir le travail. Il n'y a qu'un travail. Il n'y a qu'un moyen pour qu'un travail. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il dit, yu'idu dhal haja al malhou. Si vous avez un travail pour gagner l'argent pour lui-même et pour donner ça de carrière, à plus, il est capable de rendre un service à un monde qui a la difficulté. Il rend un service à un monde qui a la difficulté. Un monde peut envoyer un sac, un panier pour lui mettre le latte. Il va être capable de lever ça ou donner un coup de main. C'est une façon pour honorer ça du monde qui a la difficulté là. Et du monde permis de traverser le chemin, bien du monde, il va me connaître quand on traverse, on trappe sur la main, on fait les traverses chemin. Nabi Karim dit à nous ça. Nabi Karim dit à lui faire ça, lui considérer qu'il fait sadaqa. Lui considérer qu'il fait sadaqa. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit que du monde là, au moins, il y a le grand service à du monde qui a la difficulté. Mon sahaba de Fahim l'a dit, il y a le Rasulallah, c'est du monde là, pas capable de faire ça aussi. Et bien, il va faire ça aussi. Nabi Karim, là aussi, il trouve qu'il faut pour dire. Nabi Karim dit pas le yamal bel marouf. Alors, dans ce cas, au moins, il donne le bien. Il donne le bien. Ou il y a un sik an ishar, et lui-même, il arrête propage fitna, façade. Il arrête propage le mal. Il donne le bien. Et lui-même, il arrête de faire le mal, il arrête de faire dito, comment le dire? Il arrête de faire dito. Nabi Karim dit à lui faire ça, fa innaha lahu sadaqa, ça considéré un sadaqa pour Dieu. Il considéré de faire une charité. C'est-à-dire, c'est un travail qui signifie à lui, Allah Rabbul Alamin pour donner son récompense. Dans Sahih al-Bukhari, hadith numéro 1445. Nous gagnons un autre hadith. Ça, hadith qui m'a dit dans le Sahih Bukhari, il paraît dans le Sahih Muslim aussi. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih Muslim, nous gagnons un hadith. Quand Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il gagne une nouvelle. Nabi Karim gagne une nouvelle. Il y a un certain bandjoumoun pour être loin avec Masjid. Alors ce bandjoumoun là doit décider pour quitter les villes là-bas pour y aller près avec Masjid pour qu'il ait une facilité à aller venir Masjid. Nabi Karim il gagne sa nouvelle là. Alors Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il y a besoin de ce bandjoumoun qui s'est dans l'intention
qui tient des bicots de rester de bin prêt avec masjid ou qui de capable de faciliter aller venir masjid nabi karim sallallahu alayhi wa sallam dit ya bani salama o banu salama nabi karim ya diyarakum reste dans de la case que de t'aider même bien tigil loin avec masjid qui fait nabi karim tout ta asarukum. Parce que chaque pas qu'il doit faire pour venir à Masjid, il y a une équipe qui écrit pour ça. Il y a une équipe qui écrit pour ça. Pour que nous comprenions qu'il y a une équipe, c'est une envie qu'il y a une équipe. L'immense de Masjid, c'est une action qui peut faire qu'il y a une équipe. Après ça, l'immense de Masjid, l'immense de retourne sur la case, salamas qu'il y a une fée là. Islam il a attribué ça va à ça. Le vieux Karim dit à Allah, laisse là-bas, même il y a peu loin, reste là-bas parce que quand vous marchez, de vous gagner masjid, de vous gagner ça va. Un moyen, une occasion pour vous gagner ça va. Ce qui veut dire, c'est pas tous les temps nous existe ce côté négatif d'un petit soldat, qui est un petit guide sur côté positif. Qui est un petit guide sur côté positif. Alors, le vieux Karim, sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam montre nous différents moyens qui est un jour et là, qui est capable de faire ce travail là, et ça pour faire gagner qui, ça pour faire gagner le savoir. Ensuite, quand nous dit à faire une équipe, faire une bonne action, un bon amal, ça dans nos services, dans nos corps. Je tiens à prendre un hadith de Moustalima Mahmoud. La Moustalima Mahmoud, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, un long hadith. Nabi Karim il explique un jour quand il peut gagner sur l'amour. Musulman quand il gagne sur l'amour, qui est arrivé, quand nous mettons dans le cabre qui est arrivé, Nabi Karim il explique ça. Et ensuite Nabi Karim il explique un kafir, quand il arrive là sur l'amour, qui est arrivé, comment ça va se faire, et quand il mettons dans le cabre qui arrive lui. Dans un long hadith de Moustalima Mahmoud, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam il explique ça. Alors dans sa explication là, quand Nabi Karim une cause concernant les musulmans, Nabi Karim dit quand Farista finit pose des questions. Nous en prenons trois questions, livrées, trois questions là, importantes. Mais hadith là, tu fais mention à une quatrième question, qui s'en a là, nous prenons cause lui. Nous prenons cause lui, Wallahu Adam qui raison. Mais il y a une quatrième question de Moustan Imam Ahmad. Quand vous finissez, répondre trois questions concernant Allah, concernant Din, concernant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Farishtala pose des questions. Farishtala pose des questions, ma ilmuka. Et l'autre version, ma allamaka. Et l'autre version, ma yudrika. Comment tu nous connais? C'est-à-dire, quand tu veux dire moi, ça, Rasulullah, mon din, c'est Islam, mon Rab, c'est Allah, comment on connaît ça? Farishta pose des questions. Alors, Moussalmana lui répond, Qara'tu kitab Allah. Mofin li Allah solif. Fa'amantu et mon amen iman lo la wa saddaktu et mon attesteri mon confie à lui. Ce qui veut dire, Moussalmana, qu'abre lui pour répondre, Farishta mon li à livre. Moussalmana lui pour répondre, mon réalisme, c'est-à-dire ce qui me veut dire, lui basé sur un ilm ferme qui basé sur le Coran et le Hadith. Musulman. Et kafir, mouchrik, de l'autre côté, les kafiristas, vous y arrivez. Qui sont là, Torah, qui sont qui te dit, qui sont là, sa personne là, concernant Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, à chaque question, lui dit à moi, moi, pas connais moi. Ce qui dit mon India mon Dieu Saint. Ce qui veut dire tant pas ici, tant pas là, nous commençons cause Saint, nous faisons ça bien à qui là, ça c'est le principe en kafir qui peut répondre à kafir. Musulman, soit qui là, soit imam, lui basé le prêt, clé à Coran et Hadith, la cause ça de kabar qui peut répondre à Qara, tout kitab Allah. Ça islam. Jamais à le sunna wa jamaa tient l'affaire, nous ne donnons pas ici, raconte une histoire par là, nous raconte une histoire par là, concernant Nabi Karim, concernant Manaouliya Allah, nous ne faisons ça bien à qui à le sunna wa jamaa menti ça. À le sunna wa jamaa dit loin avec ça là. Alors là, quand nous voulons dire frère, et qui
Hadis pelajar nu ka fini repon ban question da khabar. Enjumun parit. Enjumun parit da khabar. Sa musalman la de tadi getli, jumun la jeli kum sa mon vini pou de toi une bonne nouvelle. Sa musalman la de dia sa pason ki ton vini la pe parit men to pou don ton amen une bonne nouvelle. Alo le la, jumun la jeli kum sa zodi mon vin annonce toi sa récompense qui te vous gagner, tu fais wada avec toi, alors aujourd'hui tu vous gagnes ta récompense. Mordala, musulman là, il peut dire que son man anta, toi qui s'en là, les là, du monde là, les gens moi, moto ban bon amal qui t'en fait à l'odunia, mon Allahin, Allahin donne-moi sa forme là pour rester dans ton cabre pour protéger toi contre Adab Kabr. Nous ban bon amal, protège-nous contre Adab Kabr. A cause ça, Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, et à cause ça, Coran, il y a nous pas ce Nabi Koul Khaira. Fais ses faux démarches sur le manteau, ton prochain année qui t'a fait un bon amal. Parce qu'il y a un bon amal là qui vous rend toi service d'akhirat là, de ton cabre. Et à cause ça, quand nous dit après année qui, saisisse une affaire tawfiq ça. Quand Allah pardonne tawfiq, nous amène tout par les raisons justifiées qui fait mon babé faire ça bon travail là. Et tu dois me comprendre. Allah pardonne quoi ta fille qui fait un amas, moi j'ai imam là pas bon. Mon comité là pas bon. Allah pardonne moi ta fille quoi se les quoi prendre. Et fais attention quand il m'a dit pas sur la jamaat ça, pas la sienne quoi prendre avec lui. Allah pardonne lui ta fille quoi prendre, mais lui, il peut bien lui une autre façon là. Nous trouvons tout mal raison. Allah pardonne taufiq, point bas. Alors bon, amal l'ivin le taufiq qui Allah donné. A cause ça, Nabi Karim dit enseigne-nous dora. Et sa dora là, vous y emprunte-lui, fais-le avec sincérité. Nabi Karim, il montrait un dora. Allahumma inna nas'aluka fi'la al-khayrat. Oh Allah, demande-toi taufiq pour faire bon travail. Khayrat. Oh Allah, donne-nous taufiq pour faire le bien. Wa tarak al-munkarat. Oh Allah, donne-moi taufiq, quitte le mal qui est là. Wa hubb al-masakin. Oh Allah, donne-moi taufiq pour content ban miskin. Oh Allah, donne-moi taufiq pour content ban pauvre. Wa idha aradta bi ibadika fitna. Oh Allah, quand on décide, mets ton banda dans fitna. Quand on décide de mettre ton mandat dans ma dépense, faqabidna ilayka ghayra maftounin. Et si vous dites pour vous-même, vous dites faqabidni ilayka ghayra maftoun. Oh Allah, quand il arrive là pour te mettre ton mandat dans ma épreuve, dans ma fitna, oh Allah, salé Allah, te donne-moi mon amour sans qu'il me tombe dans la fitna. Nabi Karim, il enseigne sa dua-là. Si un musulman fait un dua-là un jour, deux jours, une semaine, deux semaines, on ne pas connu quand Allah il fait kaboul sa doa, Allah donne taufiq à l'équipe. Allah donne taufiq fait bon travail et Allah donne nous taufiq nous éloigner avec le mal. Allah Rabbul Alamin, ou bien nous dit Allah éloigne le mal avec nous. Et nous reste protégés de ban fitna parce que Nabi Karim, son hadith, Nabi Karim dit à celui qui peut vivre après, donc vous trouvez fitna pour venir dans l'autre lacal, comment dire, la pluie est tombée dans le lacal dans tout le monde. C'est-à-dire payer la haine lacal qui peut échapper avec fitna. Allah Rabbul Alamin, donne-nous tawfiq. Wa akhiru da'wana alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد نبرت. الله أكبر. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأعزاء، إن الله سبحانه وتعالى
يخاطب المؤمنين من أمة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم في كتابه المجيد، فيقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فيا أيها الإخوة الأعزاء، أمرنا الله سبحانه وتعالى بالركوع والسجود، وأمرنا الله سبحانه وتعالى بعبادته، وأمرنا الله سبحانه وتعالى بالخيرات، فيقول الله سبحانه وتعالى: وافعلوا الخير، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أيها الإخوة الأعزاء، هكذا كان ربنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأرشدنا إلى كثير من الخيرات في أحاديثه الجليلة، حتى كان يعلمنا دعاء نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، لأن توفيق عمل الصالح يكون من الله سبحانه وتعالى. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول في دعائنا: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فقبضنا إليك غير مفتون. هكذا ربنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والله أسأله أن يجعلنا من الذين يعملون الصالحات. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، لا سيما على أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى أمير المؤمنين سيدنا علي بن عثمان بن عفان، وعلى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وعلى الإمامين الحسن والحسين، وعلى أمهما فاطمة الزهراء، وعلى عميه المعظمين عند الله وعند الناس المطهرين من الدنس والأرداس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس، وعلى تمام الأشرة المبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أحينا مسلمين وأمتنا على الإيمان، واحشرنا يوم القيامة في زمرة الصالحين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وهم وتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا وصفوا.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر
برحمتك يا